Bonjour à tous, c'est Alain, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon top 10 des fragrances du moment. C'est un peu une sorte de favori que j'ai pu voir sur YouTube et donc notamment sur les chaînes américaines. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de le reproduire et de vous donner un peu mon classement qui est par ordre décroissant pour savoir quel est mon parfum préféré pour du moment. Du coup, on commence maintenant la vidéo. Du coup, nous commençons maintenant avec mon top 10 du moment. Ce sont vraiment des parfums que j'apprécie énormément. Et d'ailleurs, on commence par le numéro 10 et c'est le Oud 24 Hours de chez Arad Al-Safaran. Alors, je sais que j'en ai plusieurs fois parlé sur ma chaîne, mais en tout cas, je vous le redis juste comme ça. Sachez que c'est un parfum exceptionnel, vraiment qui me fait penser au Tom Ford, qui a des notes gourmandes, épicées et en même temps de Oud, justement, qui donne vraiment cette sophistication. Et c'est très remarquable. Et moi, j'aime énormément. D'ailleurs, la marque m'a offert un code promo pour vous spécialement, je ne gagne rien du tout là-dessus, mais ça me fait toujours plaisir de vous partager des bons plans. Et c'est Allen10 que vous pouvez aller retrouver juste en dessous en description. Et vous pouvez directement aller sur le site internet, ça vous bénéficiera de 10% sur toute votre commande avec mon code promo. Et donc, du coup, c'est un parfum que j'ai placé en numéro 10. En numéro 9, je vous ai placé le parfum Not a Perfume de chez Juliette Hassenegan. Donc, du coup, c'est un parfum exceptionnel que je vous recommande absolument. C'est un parfum au Cetalox, c'est-à-dire que c'est de l'ambre gris parce que c'est un dérivé de l'ambroxan, et donc c'est une senteur absolument exceptionnelle. Je trouve que c'est une variante magnifique de l'ambre gris et ça s'accorde en fonction des peaux, des différentes peaux de chacun. Et donc il va pas sentir pareil à tout le monde, et donc c'est absolument magique, c'est magnifique, ça nous envole comme dans un tout petit nuage de cocon en coton, et sincèrement c'est juste un délice. Le second parfum, c'est de Towan de chez Dolce & Gabbana. C'est un parfum absolument divin. D'ailleurs, il a des notes de coriandre, pamplemousse, de basilic, également de gingembre, de tabac, d'ambre et de bois de santal. C'est un parfum qui me fait penser à cette célébrité. Moi, j'aime bien le porter, ce genre de parfum, la nuit, le soir, quand vous savez que vous allez vous faire prendre en photo et que vous voulez aussi attirer l'attention parce qu'il est en même temps subtil, élégant. C'est un peu le charme à l'italienne que j'apprécie énormément. Le second parfum que je vous recommande, c'est le Chanel Allure Homme Sport. C'est un parfum également exceptionnel qui se distingue à sa mandarine, son neroli ainsi que son vétiver. Et nous pouvons également retrouver en fond du musc blanc, de la fève de tonka ainsi que du cèdre. C'est un parfum aussi exceptionnel et très magique. C'est un parfum qui laisse un sillage inoubliable, vraiment qui en vaut la peine. Et moi, ça me remémore vraiment de très beaux souvenirs et c'est surtout un parfum hyper charismatique. Donc du coup, c'est le parfum que j'ai placé en 7e position. Pour la 6e place, j'ai placé le Remember Me de chez Jovoy. C'est un parfum qui se distingue à ses notes de cardamome, frangipanier ainsi que de vanille. C'est un parfum dit somptueux. C'est le genre de parfum que vous n'avez pas trouvé ailleurs et donc du coup, je peux que vous le recommander parce que c'est un parfum de niche de chez Jovoy, comme je le redis. Mais surtout, c'est un parfum d'exception, un parfum qui est très frais, aldéhydé. Un parfum qui m'évoque vraiment de très beaux souvenirs, qui laisse un sillage tellement tendre et en même temps frais. Pour la 5e position, j'ai placé l'un de mes parfums préférés et c'est le Montal Intense Café. C'est un parfum qui est aussi exceptionnel, qui se distingue par des notes florales, de rose délicate, de café sensuel ainsi que de vanille, d'ambre et de musc blanc. C'est le genre de parfum que moi-même je porte et que j'apprécie énormément au quotidien. Donc du coup, ça laisse vraiment ce beau et doux sillage qu'on peut retrouver comme si on avait envie de se bercer dans un beau tendre café. Si vous aimez bien les odeurs de café, c'est vraiment le parfum que je vous conseille à fond, sincèrement. Et en même temps, il a cette note de vanille intense qui relève vraiment tout ce petit côté. Ouf, c'est exceptionnel. En 5e position, je vous ai placé l'Instant Crush de chez Mancera. C'est le genre de parfum ouf qui laisse un sillage. C'est comme une seconde peau qu'on peut retrouver juste là. Et donc, il se compose notamment d'agrumes, de safran, de gingembre. On peut retrouver notamment de la rose, du jasmin, de l'ambre, ainsi que du bois de santal, de la mousse de chêne, de la vanille et du musc blanc. C'est le genre de parfum qui a complètement fait chavirer mon cœur. Vous le sentez, vous faites un tournant à 360 degrés carrément, tellement qu'il est assez subtil. C'est vraiment comme une peau de serpent, inoubliable, et comme si ce parfum, vous le connaissez depuis toujours, qui vous suit à la trace. Il est un sillage doux et enivrant, mais très sensuel, tellement de passion dans ce parfum qui le rend tellement unique. Le second parfum est aussi rentré récemment dans mon cœur et c'est le Rose Vanille de chez Mancera. C'est également Mancera, franchement, gagne beaucoup de points. Il est en 3e position et donc du coup, c'est un parfum qui se distingue au citron d'Italie, au loukoum à la fraise et en même temps au bois de cèdre, à l'intense vanille et au musc blanc. C'est vraiment le genre de parfum qui est absolument somptueux et voluptueux. C'est le genre
genre de parfum qui ne fait pas too much, qui est également mixte autant pour hommes que pour femmes. Et sincèrement, quand je l'ai senti, j'ai vraiment l'impression d'être dans une sorte de nuage, mais un nuage poétique. C'est comme si maintenant j'avais envie de déclarer ma flamme à quelqu'un, parce qu'il nous évoque vraiment ces belles sensations. Le second parfum, c'est un parfum qui entre en deuxième position et c'est l'Immensité de chez Louis Vuitton. C'est le genre de parfum sublime, vraiment, que je peux vous recommander. C'est un parfum qui se distingue au gingembre, pamplemousse et à l'ambre. C'est le parfum qui nous évoque cette liberté, cette fraîcheur. C'est comme une nouvelle plage blanche qui s'ouvre à chaque instant qu'on sent ce parfum. Et le parfum qui obtient la première position, un parfum que j'ai énormément apprécié, sincèrement, j'ai eu un gros coup de cœur, c'est le Baccarat Rouge de la maison Francis Kurkdjian. C'est le genre de parfum que j'apprécie infiniment. Il va se distinguer à travers ses notes de jasmin, de safran, de bois de cèdre et d'ambre gris. D'ailleurs, il me fait penser à l'Instant Crush de chez Mancera, mais en beaucoup plus prononcé et en beaucoup plus intense. Et c'est ça que j'apprécie énormément, parce que c'est un parfum enrobé d'amour, enrobé de sensualité et enrobé de passion et surtout de prestige. Et c'est vrai que le prix y est, mais en tout cas, ça en vaut vraiment la peine. Et donc du coup, je l'ai placé en première position parce que quand je l'ai découvert, ça a été waouh. J'ai eu les yeux qui se sont pétillés, qui sont ouverts d'un coup, comme si il y avait une révélation qui venait d'arriver. Et sincèrement, c'est vraiment un aimant à amour. Et donc du coup, c'est un parfum également mixte, autant pour femmes que pour hommes, que je peux vous recommander et qui obtient surtout la première position. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de vous présenter mes parfums du moment. Voilà, donc ça varie en fonction de chaque instant. Et donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous invite à la liker, la vidéo. Et je vous invite également à vous abonner en activant la petite cloche de notification. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre parfum à vous du moment. Nous, en tout cas, on se retrouve bientôt. D'ici là, passez une agréable semaine parfumée.